95 Avenue Charland à Montréal, H1Z1H3. Nos heures d'ouverture sont le vendredi à partir de 17h30 et le dimanche à partir de 14h. Soyez tous richement bénis et au plaisir de s'y voir. Au revoir. Bienvenue à notre Église ADV de Montréal. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre nouveau lieu de culte au 1995 Avenue Charland à Montréal, H1Z1H3. Nos heures d'ouverture sont le vendredi à partir de 17h30 et le dimanche à partir de 14h. Soyez tous richement bénis et au plaisir de s'y voir. Au revoir. Bienvenue à notre Église ADV de Montréal. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre nouveau lieu de culte au 1995 Avenue Charland à Montréal, H1Z1H3. Nos heures d'ouverture sont le vendredi à partir de 17h30 et le dimanche à partir de 14h. Soyez tous richement bénis et au plaisir de s'y voir. Au revoir. Bienvenue à notre Église ADV de Montréal. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre nouveau lieu de culte au 1995 Avenue Charland à Montréal, H1Z1H3. Nos heures d'ouverture sont le vendredi à partir de 17h30 et le dimanche à partir de 14h. Soyez tous richement bénis et au plaisir de s'y voir. Au revoir. Bienvenue à notre Église ADV de Montréal. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre nouveau lieu de culte au 1995 Avenue Charland à Montréal, H1Z1H3. Nos heures d'ouverture sont le vendredi à partir de 17h30 et le dimanche à partir de 14h. Soyez tous richement bénis et au plaisir de s'y voir. Au revoir. Bienvenue à notre Église ADV de Montréal. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre nouveau lieu de culte au 1995 Avenue Charland à Montréal, H1Z1H3. Nos heures d'ouverture sont le vendredi à partir de 17h30 et le dimanche à partir de 14h. Soyez tous richement bénis et au plaisir de s'y voir. Au revoir. Bienvenue à notre Église ADV de Montréal. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre nouveau lieu de culte au 1995 Avenue Charland à Montréal, H1Z1H3. Nos heures d'ouverture sont le vendredi à partir de 17h30 et le dimanche à partir de 14h. Soyez tous richement bénis et au plaisir de s'y voir. Au revoir. J'aimerais juste clarifier un peu pour vendredi prochain. Quand nous sommes arrivés, l'église ici avait déjà un programme. Ils ont une fête de leur église. Donc, c'est à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche matin, l'après-midi, on va être là. Donc, c'est la raison pourquoi ils nous ont demandé la permission. Et on n'avait pas le choix. Donc, c'était un programme prévu depuis l'année dernière pour cette année. Donc, c'est pourquoi, exceptionnellement, cette raison-là. Hein, il n'y a pas de souci ou quoi que ce soit. Hein? C'est ta maison ici. Que Dieu soit loué. Qui est content de voir notre papa? Hein? Ça fait longtemps. Soyez libre, conduisez dans une chanson qui va nous faire entrer dans la présence des dieux. Thank you.
cet endroit. Invoque sa présence à cet endroit. Élève ta voix, commence à prier. Invoque le Saint-Esprit, bien-aimé. Invoque le Saint-Esprit. Commence à l'invoquer. Dis, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce territoire. Prends le contrôle de cette salle. Prends le contrôle de cette prière. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Invoque le Saint-Esprit. Invoque sa présence. Invoque l'Esprit Saint. Invoque l'Esprit Saint. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, prie, 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 prie. Invoque le Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce territoire. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Prie, 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 prie. Rabba sakata rabba baba 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 Invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit, invoque-le, invoque-le, invoque l'Esprit Saint, invoque l'Esprit Saint, invoque l'Esprit Saint, invoque-lui, invoque sa présence, invoque sa présence, invoque sa présence, invoque sa présence, invoque la présence de l'Esprit, invoque le Saint-Esprit, prie, 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 rab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 a. Invoque le Saint-Esprit, bien-aimé. Oui, 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 oui. Monte encore, monte encore. Invoque sa présence. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Dieu défend le contrôle. 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 Invoque l'Esprit Saint, invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit, invoque lui qui prend le contrôle de ce temps de prière, qui prend le contrôle de cet endroit, qui prend le contrôle de ce territoire, qui prend le contrôle, invoque l'Esprit, invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Rabba sakatata. Pray, 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 pray. Invoque l'Esprit Saint. Invoque l'Esprit Saint. Invoque l'Esprit Saint. Invoque-le. Invoque sa présence. Invoque sa présence. Invoque sa présence. Dans cet endroit. Dans cet endroit. Dieu ne prend le contrôle. Ne prend le contrôle. Ne prend le contrôle. Esprit Saint. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Invoque l'Esprit Saint. Dieu ne prend le contrôle. De se manifester ce soir. Ce soir. Ce soir. Qu'il puisse te visiter. Ce soir. Que le Saint-Esprit te visite. Prie. Invoque le Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Et prie, 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 prie. Invoque-le, invoque-le. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Ne te relâche pas. Ne te fatigue pas. Continue à prier. Continue à prier. Prie, 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 prie. Rab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 a. Rasakatatatata. Recheketerereba. Rabasakata. Ikararababa. Abrosokoto. Ikalabrosararaba. Eketeterereba. Rabasakata. Ikeketerereba. La brasse à catérébo, rabababababa, pré, 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 rabasse à catéré, isakatarababa, la brosse au coteau, isakatarababa, la brasse à catéré, inca la brasse à catéré, yarabababa, pré, 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 pré. Continue à l'invoquer, continue à l'invoquer, continue à l'invoquer, continue à l'invoquer, invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit. Invoque sa présence, invoque sa présence, invoque sa présence dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans cette église. Invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit. Dieu lui prend la place qui lui revient. Dis Saint-Esprit, visite-nous, ce soir, cette après-midi. Prends la place qui t'est due, prends la place qui t'est due, chasse. Invoque-le. Merci.
chantons Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Chantons Jésus, élève son nom.
au-dessus de tout. Élève son nom au-dessus de toutes choses, au-dessus des difficultés, au-dessus des maladies, des échecs. Élève le nom de Jésus au-dessus. Élève son nom. Élève le nom de Jésus. Élève son nom. Prie, bien-aimé. Élève le nom de Jésus. 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 Élève son nom. Élève son nom. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Continue à l'élever. Continue à l'élever. Continue à élever son nom. Continue à élever sa présence. Continue à l'élever. Élève son nom, bien-aimé. Élève le nom de Jésus. Élève son nom sur tes difficultés, sur tes fautes, sur tes maladies. Élève le nom de Jésus. Élève son nom. Élève son nom. Élève son nom. Élève son nom. Continue à l'élever. Continue à l'élever. Continue à l'élever. Continue à l'élever, bien-aimé. Continue à l'élever. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève-lui. Élève son nom. Élève son nom. Dis-lui, Seigneur, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Élève-lui, bien-aimé. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève son nom. 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 Dis, Seigneur, j'élève ton nom. Je t'élève aujourd'hui. Je t'élève demain. Je t'élève toujours. À jamais dans ma vie. Sois élevé. 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 Élève. Élève son nom. Élève sa présence. Dis-lui, Seigneur, sois élevé. Dis-lui, Seigneur, sois élevé. Dis-lui, Seigneur, sois élevé. 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 Élève le nom de Jésus. Élève son nom. Élève son nom. Élève. Ton voisin, dis-lui bonsoir, bonjour, bienvenue. Saluez-vous entre frères et sœurs. On a payé un prix pour aujourd'hui être là où nous sommes. C'est aussi notre thème d'aujourd'hui, payer les prix à payer pour vivre la plénitude de l'Esprit Saint. On va commencer à lire par Actes au chapitre 1. Et on commence au verset 4. Actes des apôtres 1. À ADV Montréal, on se tient debout pour la première lecture. À moins que tu sois malade, si tu es en forme comme moi, lève-toi. Actes, chapitre 1, verset 4, je lis au nom de Jésus. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il les a dit d'attendre, de ne pas sortir de la ville. On peut prendre place. Répète après moi, les prix à payer
a un prix à payer pour tout. Pour toute chose, on doit payer un prix. Pour être rempli du Saint-Esprit, tu dois payer un prix. Ce n'est pas juste comme ça que tu as rempli du Saint-Esprit. Les versets que nous venons de lire nous illustrent clairement ce que Jésus avait demandé à ses disciples. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez. Ils ont attendu quelques jours dans un endroit qu'on appelle la chambre haute. Et nous savons tous qu'est-ce qui est arrivé après. Leur temps de prière, leur temps de recherche de la face de l'Éternel. Ils ont payé des prix. Il y en a qui ont jeûné. Il y en a qui ont prié pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que Jean a baptisé d'eau. Mais lui, eux ont été baptisés du Saint-Esprit, donc du feu. Ils ont eu un baptême de feu. C'est ce que nous recommande la Bible depuis toujours. Dieu veut que nous puissions lui chercher, que nous puissions payer un prix. Chercher Dieu, c'est payer un prix énorme. Parce que ta chair ne te permettra pas de lui chercher facilement. La famine va venir, la distraction viendra, les pensées viendront pour t'empêcher d'atteindre ces niveaux-là où Dieu t'a. Depuis toujours, Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez vraiment de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, nous ne faisons pas cet effort-là. Nous ne voulons pas payer les prix pour chercher Dieu, pour marcher dans sa plénitude, dans sa présence. On ne fait pas des efforts. Nous avons souvent des sentiments d'avoir accompli des grandes choses quand on fait peut-être 2-3 jours de jeûne. Tu penses que non, j'ai accompli quelque chose. Tu dis que j'ai fait ma part. Beaucoup se relâchent. Après des temps intenses de prière, tu vas voir où il abandonne. Pendant 1 mois, il va arrêter, 2 mois, puis il va encore reprendre après. Alors ce n'est pas ça que la Bible demande. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de lui chercher continuellement. Continuellement de demeurer dans sa présence. Et de ne point se relâcher. Parce que ton ennemi, le diable, ne se relâche point. Pour te faire tomber. Il multiplie des stratégies tout le temps. Mais nous, nous avons souvent le sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir atteint un but. Alors, ce n'est souvent pas le cas. Parce qu'imagine que Jésus lui-même a jeûné, a cherché Dieu 40 jours. Juste après, le diable est venu. Pour lui tenter. Et la vie de Jésus nous démontre comment est-ce qu'un chrétien doit être. Continuellement dans sa présence. Continuellement dans le feu de l'esprit. Continuellement à mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Amos 5. Je ne sais pas que Clovis nous a trouvé ça. Amos 5, au verset 4. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Amos, chapitre 5, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Amen. Dieu a associé sa recherche à la vie. Bien-aimé, cherchez-moi et vous vivrez. Bien-aimé, ta vie en dépend. Cherchez Dieu dans la prière, ta vie en dépend.
Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé complet. Il savait pourquoi, parce qu'il veut que tu le cherches afin que tu puisses être complet. Il ne t'a pas créé à 100%. Si tu étais à 100%, tu allais être Dieu comme lui. Il veut que tu puisses le chercher. Il veut avoir une relation avec toi. Il veut que le feu continue à brûler sur l'autel. Comme nous dit Lévitique, le feu doit brûler continuellement. C'est dans Lévitique 6 au verset 5. Je vais lire ça vite fait. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur élimera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action des grâces. Au verset 6, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. La Bible nous dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Lévitique nous parle de l'autel. Vois l'autel comme ton corps. Et le feu, le Saint-Esprit, qui doit continuellement brûler en toi, qui ne doit point s'éteindre. Bien-aimé, c'est pour la vie ou la mort. Tu ne dois jamais éteindre le feu. Dit non, le feu ne s'éteindra point. Mais souvent nous-mêmes, on éteint ces feux-là. Ce n'est même pas le diable qui vient éteindre ton feu, c'est toi-même qui éteins le feu. Tu éteins le feu de l'esprit par toi-même, par tes comportements, par ta façon d'agir, ta façon de te comporter, ne plaît souvent pas le Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens n'atteignent pas le niveau où Dieu veut le voir arriver. Beaucoup se limitent. Je ne sais pas, quelque part où ils se sentent à l'aise. Mais tu ne dois pas te sentir à l'aise dans les choses de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Ce monde ici est un monde spirituel. Tu ne peux pas te sentir à l'aise dans ce monde-là. Tu ne dois pas te sentir confortable. Ce n'est pas ton territoire. Le monde est dominé par le mal. Il y a une puissance dans ce monde qui est énorme. Si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas fort, tu seras dévoré, détruit, écrasé. Parce que ton ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant tout autour de toi à chaque jour, à chaque instant. Il cherche comment faire pour t'abattre, comment faire pour te faire tomber. Il multiplie des stratégies juste pour te détruire. Bien-aimé, tu peux bien prier aujourd'hui. Tu as la victoire. Mais demain, est-ce que tu es garanti d'avoir la même victoire demain? Non. Aujourd'hui, tu peux bien chasser les démons. Mais est-ce que demain, tu peux faire la même chose? Ce n'est pas garanti. C'est d'où l'importance de ne jamais se relâcher. D'où l'importance de toujours maintenir le feu de l'esprit en toi. D'où l'importance de toujours continuer à lui chercher dans la profondeur. Car la profondeur appelle la profondeur. Une vague appelle une autre vague. Ne te relâche jamais, bien-aimé. N'abandonne pas. Regardez dans Ézéchiel 47. Ça va nous démontrer où est-ce que Dieu veut que tu ailles avec lui. Ézéchiel 47, papa. Commence à.
Ézéchiel 47, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Amen. 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 Ici, Ézéchiel nous a démontré qu'il y a deux niveaux. Il y a des niveaux avec le Saint-Esprit. Il y a des niveaux avec lui. Mais des fois, il y a des chrétiens qui peuvent se limiter sur la cheville. Parce que 1000 coudées, c'est à peu près 435 mètres. Il y en a qui ont la soif des yeux. Qui ne veulent pas se limiter seulement aux chevilles. Qui veulent aller jusqu'au niveau du torrent. Que leur corps ne puisse plus les appartenir à eux. Ni leurs pensées, qui puissent vivre totalement à 100% pour Dieu. Et il y en a d'autres qui veulent avoir un peu de contrôle pour dans leur vie. Qui veulent se limiter soit aux chevilles, soit aux mollets, soit je ne sais pas. Mais il y a d'autres qui sont assoiffés, qui ont la soif du Saint-Esprit, qui veulent aller en profondeur, qui veulent continuer pour que eux puissent disparaître et que Jésus puisse apparaître. C'est là où Dieu veut que tu ailles, toi, chrétien. C'est là où Dieu veut t'emmener, bien-aimé. Ne te limite pas dans ces niveaux-là. Parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer demain. Tu ne sais pas quel démon tu vas rencontrer demain. Ne te limite pas. C'est comme nous, on a des catégories, eux aussi ont des catégories. Tu peux rencontrer un ceinture jaune aujourd'hui, demain tu rencontres un ceinture vert. Et si toi tu es toujours ceinture blanche, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va t'écraser. Il va te détruire. Cherche sa plénitude. Je dis, Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Le Saint-Esprit vient pour causer la soif dans ta vie. Comme Jésus nous a dit dans Jean 7, au verset 37, je suis la source. Venez boire. Venez boire à lui. Parce qu'on ne donnera pas d'eau à celui qui n'a pas soif. Si tu n'as pas soif, tu ne chercheras pas à boire de l'eau. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. C'est la même chose avec sa plénitude. Si tu ne démontres pas la soif de l'Esprit, tu n'auras pas la soif. Tu vas rester là où tu es. Les autres vont commencer à avancer, mais toi, tu n'avanceras pas. Les autres vont commencer à faire des grandes choses avec Jésus, mais toi, tu ne vas pas le faire. Et ça va causer la frustration dans ta vie. Tu seras un chrétien frustré. Bien-aimé, je viens ce soir pour te réveiller.
pour faire un réveil dans ta vie, un sursaut, pour te dire que le temps file. Le temps ne t'attend pas, le temps avance. Ne reste pas toujours un bébé spirituel. Cherche à monter, cherche à graver des échelons, cherche à avancer. Ne demeure pas toujours dépendant des prières, oui c'est bon, des hommes de Dieu ou des frères et sœurs, mais tu dois toi aussi chercher Dieu. Anime ta flamme, parce que Dieu est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu uniquement pour les pasteurs, pour les serviteurs de Dieu, il est venu pour tout le monde. Tout le monde a accès à sa présence. Tout le monde peut prier et faire des choses. Dans Marc 9, verset 13, il a dit, voici les choses que ceux qui croiront peuvent faire. Ils saisiront des serpents. Même s'ils boivent du poison, cela ne va rien les faire. Ils chasseront les démons. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, c'est comme si on a oublié ces paroles-là. Alors que c'est dans nos Bibles. Si la Bible, on la lit vraiment, on aura une base de sa présence. Parce qu'on saura qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair, elle est venue parmi nous. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien qui est compliqué. C'est juste d'ouvrir, ouvre ton cœur et laisse-toi conduire. Mais l'ennemi t'empêche toujours par les circonstances de la vie. Il te fait voir des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Et toi, tu crois. Tu dis, j'ai déjà prié pendant 5 ans, cette situation, ça n'a pas changé. Si j'ai prié la 6e année, ça ne changera pas non plus. Tu viens déjà de tout détruire juste par cette pensée-là. Parce que la Bible nous dit que la foi, c'est la folie. Et tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Tu dois d'abord croire qu'il peut changer ta situation. Tu dois croire qu'il existe. Tu dois croire, bien-aimé. Tout commence par croire. La femme de la perte de sang, elle a sillonné ici et là. Mais elle a payé un prix pour sa guérison. Elle était dans sa maison, elle a juste entendu, elle a dit, moi je vais me déplacer. Malgré l'honte, malgré la honte, malgré tout ça, je vais me déplacer parce que je veux être guéri. Je veux que ma vie change. Elle a payé un prix. Malgré la foule, malgré la maladie, tout ce qu'elle avait, elle s'est déplacée. Elle est allée et elle a été guérie. Mais nous, aujourd'hui, on ne veut pas payer les prix. On veut tout avoir facilement. Et si tu pries 2-3 jours, tu ne vois rien, tu es découragé. Dieu est roi. Il est souverain sur son trône. Il te répondra quand il veut, en son temps à lui. C'est pourquoi il dit que c'est sa volonté à lui qui prime et non ta volonté. Alors ne te décourage pas. Continue à persévérer. Si Dieu ne te répond pas aujourd'hui, demain il te répondra. S'il ne te répond pas maintenant, il te répondra dans les minutes qui viennent. Mais toi, persévère dans sa présence. Persévère dans la prière. N'abandonne jamais. Parce que abandonner, c'est perdre ta vie. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement, tu seras mort. Bien-aimé, ce n'est pas de la blague. Le mieux, c'est la fin et non le début. Ta fin sera comment? Comment est-ce que tu vas finir ta course? J'ai lu la Bible hier. J'ai vu l'histoire d'Élie. Élie était un prophète puissant. Il a détruit le prophète de Baal. Il les a tous éliminés. Il
Dieu a fait descendre le feu sur l'eau. L'holocauste était embrasé. Mais Élie, le lendemain, il a reçu un message d'une femme qui s'appelle Jézabel. La femme a dit, je veux te tuer. Élie qui avait fait les grandes choses hier, Élie a tremblé. Élie a commencé à demander la mort. Il a commencé à avoir peur. Il a commencé à avoir peur. Moi, je pense qu'Élie avait oublié que le diable attaque toujours. Il avait oublié que le diable attaque toujours. Tu peux lui battre aujourd'hui. Tu peux avoir l'impression que non, j'ai gagné. Ne te relâche pas demain. Parce que demain, il peut revenir encore contre toi. Comme Élie. Toi qui avais le feu hier, aujourd'hui tu dis non, Seigneur, je vais abandonner. Trop, c'est trop. C'est trop pour moi. Je n'arrive pas à supporter. Mais qui hier a fait des grandes choses? C'est toujours toi. C'est parce que tu as eu du relâchement. Parce que tu t'es contenté de ta petite victoire. Tu as dit, ah, j'ai jeûné une semaine, Dieu m'a répondu. J'ai eu mon travail. J'arrête. Mais tu ne sais pas au travail là-bas, qu'est-ce qui va t'arriver à ton travail? Qui tu vas rencontrer là-bas? Tu ne sais pas. Et tu vas encore commencer à pleurer. Ah non, ce travail, mes collègues. Non. Tu t'es relâché. Tu n'as pas continué à rechercher Dieu. Tu dois demander à Dieu, après toute victoire que tu reçois, de continuer à t'embraser dans sa présence. De continuer à t'embraser. Dis, Seigneur, embrase-moi. Seigneur, continue à m'embraser. Continue à allumer les feux dans ma vie. Je ne veux pas tomber, Seigneur, dans les pièges d'être confortable. Ne sois pas confortable dans ce monde, mon ami. C'est un monde dangereux. C'est un monde rusé. Le monde où tu vis là, c'est rusé, c'est dangereux, bien-aimé. Ne sois pas confortable, tu ne sais pas. Dans un monde où on a vu à Toronto un fils qui a tiré sur son père. Est-ce que c'est imaginable pour toi? Non. Un fils a pris un homme, il a tué son père et son frère. Dans ces pays, ça s'est fait. Il y a pire qui s'est fait, des frères et sœurs qui s'empoisonnent. Les parents qui tuent leurs enfants. Bien aimé, ce monde-là, c'est dangereux. C'est pourquoi sans Dieu, sans le Saint-Esprit, tu as la merci de tout ça. Tu es vulnérable. Ne te pose pas des questions. Pourquoi lui ne prie pas, sa vie va bien, moi non. Parce que lui, il est déjà dans les camps de l'ennemi. Il est déjà prisonnier. On ne peut pas s'occuper de lui. Parce qu'il est déjà là. On va venir vers toi qui n'est pas encore là. On va venir te coincer, te rendre la vie dure pour te faire capituler, pour te faire abandonner. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Job a souffert, a été malade, il a tout perdu. Mais Job n'avait pas abandonné. Job avait dit que son rédempteur se lèvera même les derniers. Et il s'est relevé les derniers. Et Job avait tout repris. Bien-aimé, ne laisse pas. Continue. Continue à payer les prix. Continue à lui chercher. Continue à chercher Dieu dans la profondeur. Ce n'est pas pour rien que dans Psaume 54, Dieu associe sa recherche à l'intelligence. Il a dit, ceux qui les cherchent, ce sont les gens qui sont intelligents. Parce que si tu ne cherches pas Dieu, donc tu n'es pas intelligent. Parce que dans ce monde, il y a juste deux esprits. Soit c'est Satan, soit c'est Dieu. Il n'y a pas mille, il y a deux. Tu es dans quel camp? Tu marches avec qui? Tes pensées sont contrôlées par qui? Ce sont les questions que tu dois te poser. Est-ce que la façon dont je me conduis comme un enfant de Dieu? Est-ce que la façon dont je parle ou je pense comme un enfant de Dieu?
sont les questions que tu dois te poser. Bien-aimé, tu dois te poser ces questions-là. On va lire dans Éphésiens 5. Au verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu es foutu. Sans l'Esprit Saint, tu es foutu. Je reviens encore au début. Là. Jésus a dit, ne partez pas afin de le recevoir, afin qu'il puisse marcher avec vous. Moi-même, j'ai souffert. Moi-même, j'ai fait ça. Moi-même, Paul, sans le Saint-Esprit, Paul allait abandonner. Paul a souffert. Il était un prisonnier, battu, mordu par une vipère et tout. Il n'a pas abandonné. L'homme de Dieu, Tibi Joge au Nigeria, il a vécu des histoires difficiles. Son église en construction, l'église tombe, les gens meurent. Sans le Saint-Esprit, il allait abandonner. Il a dit, mais non, ça c'est une malédiction. Pourquoi les gens viennent mourir dans mon église? Dieu, je t'ai fait quoi? Mais il n'a pas dit ça. Il savait qu'il y a un prix à payer. Pour arriver quelque part, il y a un prix à payer. Tu vois, même quand tu voyages dans un bateau, des fois, il y a un prix à payer. Il y a les vagues et tout, là, tout, il y a les tempêtes. Mais tu finis toujours par arriver à bon port. C'est pareil, bien aimé, pour la vie d'un chrétien. C'est une vie remplie d'embûches. Mais n'abandonne pas. Persévère. Persévère. Je t'en supplie ce soir. Je t'ai exhorté de persévérer. De ne te point relâcher. Ne te relâche point. Ne t'abandonne pas. Dieu est là. Jésus-Christ est là pour toi. Le Saint-Esprit est là pour toi. Encore, il y a aussi les serviteurs de Dieu qui sont là pour toi. N'abandonne pas ta vie de prière. N'abandonne pas ta communion avec le Saint-Esprit. Il faut toujours cultiver la soif. Que la soif continue de monter en toi. Que cette soif continue à grandir, comme on vient de voir dans Ézéchiel 47. Que la soif monte et que la vie de prière monte encore. Et tu verras les changements dans ta vie. Ne t'abandonne pas, bien-aimé. On va lire un dernier verset, puis on va prier, puis je passerai la parole au pasteur pour la suite. Romains. Romains 12. Romains chapitre 12 verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ici, Paul remet nos exhortes de donner nos corps comme un sacrifice vivant et saint. Il a dit vivant et saint. Ça
C'est-à-dire que Dieu marche dans la sanctification. Tu dois marcher aussi dans la sanctification. Tu dois être sanctifié par son sang. Tu ne peux pas mener une vie sale et t'attendre à Dieu dans ta vie. Ça c'est faux. Dieu ne se mélangera pas avec la saleté. Tu dois faire des efforts. On ne t'appelle pas la perfection. On dit fais des efforts. Parce qu'il sait que tu es un être humain qui ne sera jamais parfait. Mais fais des efforts. Il est là pour te soutenir. Fais des efforts de te conformer, de te conformer à lui. Et il sera toujours là pour toi, bien-aimé. Il sera toujours là. Il ne va pas t'abandonner. C'est nous qui abandonnons Dieu. Dieu ne veut abandonner aucun de ses enfants et il ne le fera jamais. Mais c'est souvent nous qui l'abandonnons. Des fois, quand on arrive à un certain niveau, à une certaine position, on oublie Dieu. On oublie parce qu'il nous a répondu avec une petite miette. Quelque chose que tu cherchais, tu l'as eu. Et tu abandonnes. Tu priais 3 heures, 4 heures du temps, tu dis non, je n'ai pas le temps. Tu ne veux plus payer les prix. Bien-aimé, ça c'est un danger. Si tu remarques que ta vie de prière commence à chanceler, que ta vie de prière commence un peu à prendre un coup ici et là, ça veut dire qu'il y a une attaque qui est déjà en cours. Que tu dois t'élever. Tu dois être en mesure de sentir que ces derniers temps, je n'ai pas pu méditer la Bible comme je faisais d'habitude. Ces derniers temps, je n'ai pas prié comme toujours. Ces derniers temps, je me sens un peu lourd. Ce sont des signes à ne pas négliger. Que toi, comme chrétien, tu dois savoir. Tu dois sentir que non, ces derniers temps, je me sens un peu éloigné. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Cours vers lui. Il est toujours là, les bras tendus, les bras ouverts vers toi pour te recevoir. Bien-aimé, recevoir le Saint-Esprit, c'est bon. Il vient vivre en toi. Il vient vivre en toi. C'est quoi la Bible nous dit? Un enfant de Dieu ne pêche pas. Tu vas te poser la question, comment ça se fait qu'un enfant de Dieu ne pêche pas? Oui, un enfant de Dieu ne pêche pas. Ça veut tout simplement dire qu'un enfant de Dieu ne reste pas dans les péchés. Tu peux bien tomber, mais ne reste pas dans les péchés. Ce que la Bible dit, qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit et demeurer dans les péchés. Non. C'est impossible. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et ne pas être dans la sanctification. C'est impossible. C'est impossible, bien-aimé. La première chose, tu vas commencer à haïr les péchés. Tu vas commencer à détester les péchés. Ça, c'est le premier signe que le niveau commence à monter de sa présence. Tu seras plus confortable avec les péchés. C'est pourquoi ne te contente pas seulement de parler en langue. Va aussi, va encore en profondeur. Parce qu'on a vu aussi les démons parler en langue. Ne te contente pas seulement à ça. Ce n'est pas juste ça qui te prouve que non, tu es... Non, non, non. Les parler en langue, c'est bien. Mais ne te contente pas seulement de ça. Va encore plus loin. Va encore, digue encore, creuse encore. Tu dois arriver à un niveau, quand tu marches dans la rue, les gens fuient. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont vu. Ça, c'est pas encore arrivé encore. Va encore plus loin.
Mais vous n'avez pas vu quand Jésus est allé sur l'autre rive, là où il y avait les fous qui sortaient des sépulcres. Les fous est venu, il a couru vers Jésus. Il a dit, qu'est-ce que tu nous veux? C'est déjà la fin du monde. Tu viens nous arrêter déjà. Les gens ne comprenaient pas. De quoi ces fous-là parlent? Non, on lui connaît. Mais les choses, les esprits qui étaient dans cet homme-là, ont reconnu qu'il était devant eux. Ils ont dit, c'est déjà la fin du monde. Tu viens nous arrêter de sitôt comme ça. Les gens ne comprenaient pas. Mais de quoi vous parlez? Les fous-là qui étaient fous. Mais à cet instant-là, il était normal. Il disait des choses vraies. Toi aussi, tu peux atteindre ce niveau-là. Tu marches dans la rue quelque part. Quelqu'un vient devant toi. Mais qu'est-ce que tu nous veux? Tu te poses. Parce qu'il a vu. Donc, ta présence doit représenter un jugement. Parce que c'est les fous, là, les esprits se sont sentis. Il a dit, c'est le jugement. Lui, c'est Jésus. S'il vient devant nous, nous sommes foutus. Maintenant, toi, c'est Jésus, la vie en toi par son Esprit Saint. Mais tu es malmené jour et nuit. C'est parce que tu n'allumes pas les feux. Le Saint-Esprit sera toujours en toi. C'est un feu qui est en toi. C'est toi qui dois l'allumer. On a la grâce, nous, enfants de Dieu, d'avoir le Saint-Esprit, parce que ton esprit, le diable ne va plus le toucher, parce que ton esprit est protégé par le Saint-Esprit. Mais ton âme, tes pensées, le diable peut corrompre tout ça. Tu vas voir un chrétien baptisé et tout, mais qui est possédé par un démon. Parce qu'il y a sa cause de la négligence quelque part. Mais son esprit est intact. C'est pourquoi des fois, quand les gens meurent, c'est leur corps, mais l'esprit tourne. D'où ça vient? Le diable ne peut pas toucher ton esprit si tu as le Saint-Esprit. Mais il peut bien t'envoûter par ton âme, par ta chair, par tes pensées. Tu vas voir, tu es à l'église, mais c'est toi qui viens, qui deviens l'occasion de chute de tout le monde à l'église. Tu es chrétien. Tu dois faire attention. On doit faire très attention. Ton ennemi, le diable, est rusé. Très rusé. Tu lui donnes un petit accès, il va utiliser ça. Juste un petit, il l'utilise. Tous les moyens sont bons pour lui, pour te détruire. Tous les moyens sont bons. Toutes les occasions qu'il a, il l'utilise. Alors, arrête de lui donner ça. Arrête. Augmente la soif. Cherche Dieu. Cherche-lui. Cherche-lui, bien-aimé. Si tu lui cherches, tu vas lui trouver. C'est juste une décision à prendre. En cherchant Dieu, la soif monte. Et la vie des prières augmente. Lève-toi, on va prier. Commencer par demander pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Commence à prier, dis Seigneur, pardonne-moi. Élève ta voix, si tu peux t'agenouiller, tu peux rester debout, mais prie, demande-lui pardon. Fais une prière de repentance devant lui. Seigneur, je demande ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Je demande, Seigneur, le pardon. Ta miséricorde. Seigneur, nous venons, Seigneur, devant toi. Demandons, Seigneur, la miséricorde. Nous implorons, Seigneur, ta miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur.
Demande sa miséricorde. Pardonne-nous nos erreurs. Demande sa miséricorde. Pardonne-nous nos fautes. Pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous demandons ta miséricorde. Que ta miséricorde sur nos familles. Ta miséricorde sur nos frères et sœurs. Ta miséricorde sur nos proches. Nous venons nous tenir devant toi, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur. 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 Demande sa grâce. Nous demandons ta miséricorde. Oh, ta grâce, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Dans nos familles, Seigneur. Il y a eu l'iniquité, Seigneur. Seigneur, nous demandons ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Dans nos familles, Seigneur, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas bonnes, Seigneur. Mais nous venons, Seigneur, demander la miséricorde. Nous ne voulons pas porter la peine, Seigneur, de l'iniquité. Seigneur, nous demandons ta miséricorde. Ce que je fais, Seigneur, je te demande pardon. Je veux arrêter ces choses qui m'empêchent de marcher dans ta présence. Je demande cela, Seigneur, pour ma famille. Je demande cela, Seigneur, pour le Canada. Je demande cela, Seigneur, je prie, Seigneur, et j'invoque ta miséricorde pour le gouvernement. J'invoque ta miséricorde. J'invoque ta miséricorde. J'invoque ta miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous nous tenons, Seigneur. Nous nous tenons, Seigneur, Papa. Nous tenons, Seigneur, et nous prions que tu demandes, Seigneur, que tu pardonnes, Seigneur, ton peuple. Que tu pardonnes, Seigneur, tous ceux qui marchent dans l'iniquité. Nous appelons ta grâce. Nous appelons ta grâce. Nous appelons ta grâce. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Autrefois, nous marchions dans les ténèbres. Autrefois, nous étions de l'autre côté, Seigneur. Mais maintenant, nous venons prier, Seigneur. Nous demandons la miséricorde. La miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur. 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 Ta miséricorde. J'appelle ta miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Lis-nous Lamentations 5 au verset 7. Lamentations, verset 5, chapitre 5, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez, des fois, nous subissons des situations que nous n'avons pas causées. Nous subissons des choses que nous n'avons pas cherchées. Il y a des gens qui sont allés consulter quelque part. Des gens qui ont cherché, qui ont touché ici et là. Mais vu que ces gens-là sont liés à toi, soit dans le sang ou quoi que ce soit, tu payes les prix aujourd'hui pour leur péché. Alors tu vas prier. Tu vas te séparer. Tu vas te séparer avec tout ce qui t'empêche d'entrer dans la profondeur avec ton Dieu. Parce que des fois, il y a des familles où on a dit qu'il n'y aura pas de serviteurs de Dieu.
il n'y a personne qui va servir Dieu dans cette famille. Et ils vont faire tout. Ils vont tout faire pour empêcher cela. Mais toi, avec la connaissance que tu viens de recevoir, tu vas aussi faire un effort pour renverser ces paroles. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare. Je me sépare. Avec toute parole. Avec toute parole. De malédiction. De malédiction. Prononcée. Prononcé dans ma famille au nom de Jésus je renverse tout autel qui réclame ma vie de prière au nom de Jésus je renverse tout autel de réclamation dans mon sang au nom de Jésus je renverse commence à prier 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 tout autel, qui parle contre moi, qui parle contre ma famille, qui parle contre mes enfants, je les renverse, je les renverse, je les renverse, je renverse, je renverse tout ce qu'ils ont prononcé contre moi, je le mets par terre, 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 je le renverse, je le renverse, commence à renverser, commence à renverser, commence à renverser, commence à renverser. Nous renversons les autels. 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 Qui parle contre ma famille? Qui parle contre ma famille? Je les renverse. Tout autel satanique. Tout autel satanique. Qui soit renversé. 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 Nous renversons tout autel satanique. Nous les renversons. Nous les renversons, nous les renversons, nous les renversons, nous renversons tout autel satanique, tout autel satanique, nous les renversons, tout autel maléfique, nous les renversons, nous les renversons, ce soir nous les renversons, nous les renversons, ce soir il tombe, ce soir il tombe, ce soir il tombe, ce soir il tombe, là où ils se sont réunis pour parler contre ta vie, au nom de Jésus. Nous les renversons, nous les renversons, nous les renversons, nous les renversons, nous renversons tout autel, tout autel, tout autel maléfique qui soit renversé, qui soit renversé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui soit renversé, tout autel maléfique, qui soit renversé, qui soit renversé, tout autel maléfique, qui soit renversé, qui soit renversé, qui soit renversé, qui soit renversé, commence à renverser. Commence à renverser les autels qui parlent dans ta famille, les autels qui parlent dans ta famille. Commence à les renverser, commence à les renverser, commence à les renverser, commence à les renverser. Que les autels soient renversés, les autels maléfiques soient renversés, qu'ils soient renversés. Je prie et je renverse, je prie et je renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse, les autels maléfiques, je les renverse. Tout autel qui parle contre ma famille, qui parle contre le ministère, je les renverse, je les renverse. Je le renverse, je le renverse. Tout autel satanique qui soit renversé, qui soit renversé, qui soit renversé, qui soit renversé, qui soit renversé. Les autels qui soient renversés, qui soient renversés, qui soient renversés. Tout autel maléfique qui soit renversé au nom de Jésus, qui soit renversé. Jésus. Tu vas renverser tout royaume des eaux. Parce que dans ce monde, il y a des royaumes qui dominent. Tu vas détruire tout esprit des eaux et leur royaume qui s'élève contre ta vie, qui s'élève contre ce ministère, qui s'élève contre ce territoire.
Tu vas renverser le royaume des eaux. Commence à renverser. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons le royaume des eaux. Nous renversons les esprits des eaux. Nous les renversons. Nous renversons tout esprit des eaux. Aujourd'hui, nous renversons le royaume. Je viens pour renverser le royaume. Au nom de Jésus. Ô Père, nous venons renverser le royaume. Nous les renversons. Nous les renversons. Nous renversons le royaume des eaux. Qui soit renversé. Qui soit renversé. Qui soit renversé, qui soit renversé, le royaume des eaux, qui soit renversé, qui soit renversé, le royaume des eaux, le royaume des eaux, qui soit renversé, le royaume des eaux, soit renversé, soit renversé, soit renversé, au nom de Jésus, soit renversé, le royaume des eaux, soit renversé, les esprits des eaux, les sirènes, soit renversé, soit renversé, soit renversé, le royaume des eaux, le royaume des eaux, soit renversé, soit renversé, les sirènes, qui soient renversées, les esprits des eaux, qui soient renversés, qui soient renversés, qui soient renversés, qui soient renversés. Nous renversons le royaume des eaux, le royaume des eaux, qui soit renversé, qui soit renversé, au nom de Jésus. Amen. Applaudis pour l'Éternel. En même temps, j'appelle notre papa pour la suite. Jesus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un dans la joie? Moi, je suis dans la joie d'être parmi vous. Amen. Après 5 semaines, quelqu'un dit, papa, tu as bien reposé pendant 5 semaines. Et non, j'ai travaillé. Pas du tout. Pas de repos. J'ai sacrifié ma vie en Christ. Vous vous êtes bénis, vous avez des vacances. Mais moi, je n'ai pas de vacances. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Et je bénis le Seigneur de nous avoir exaucé notre prière. Amen. La semaine passé, je vous ai suivi en direct et ça m'a encore donné la force de ne pas gêner devant le problème, de ne pas gêner devant les lois de ce monde. Il ne faut pas s'épaisser. Il ne faut pas laisser des choses ou des choses de ce monde de nous conduire. Non. Si vraiment on a le pouvoir en Christ, on peut changer beaucoup de choses. Amen. Il ne faut pas accepter, même si vous n'avez rien. Le lendemain appartient à Dieu. Amen. Mais il ne faut pas s'agener parce que vous n'avez pas. Et les lois de ce monde vous disent que non, vous allez faire ça, ça, non. Moi, je remercie le Seigneur parce qu'il m'avait dit, je vais t'amener dans la terre où tu vas bénir le peuple de Montréal. Amen.
moments difficiles pendant que nous étions de l'autre côté. Mais je vous avais dit, il ne faut pas se laisser. Il y a un patron qui nous a appelés. Il y a un patron qui nous a donné ses ministères. Il ne va pas nous abandonner. Amen. Moi, je pense que cette expérience a pu aussi nous fortifier. Ça peut nous faire grandir. Pour voir que Dieu voit tout et Dieu sait tout. C'est lui qui a les derniers mots. On peut vous humilier. On peut vous faire prendre comme un enfant. Mais ton Dieu ne va pas t'abandonner. Un jour, tes ennemis vont te regarder à la télé et vont dire, ah, là-bas, il y avait juste une petite chambre, mais ici, il y a 20 chambres. Waouh! Amen. S'ils étaient mauvais, Dieu pourrait les punir. Mais s'ils ont eu la grande salle, donc ils étaient dans les bons. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais demander pardon à Dieu. L'expérience dans la vie, ça nous fait grandir. Si Dieu permet quelque chose dans votre vie, ne pensez pas que Dieu n'a pas vu ces choses-là. Et j'ai dit à l'église que s'il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie. Ta situation qui vous dérange, il y avait une porte d'entrée. C'est juste de chercher où commencer à chasser cet esprit. Il y a quelque part une porte de sortie. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il change. Mais ce n'est pas parce que vous souffrez maintenant, vous allez commencer à s'agenouiller avec tout le monde. Non. Commencez à chercher les idoles. Commencez à... Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu permet certaines situations qui peuvent nous humilier, mais il est au contrôle de ça. Dieu peut permettre ta relation qui finit comme ça, mais il est au contrôle. Amen. Dieu peut permettre une maladie qui vient de vous déranger, mais il est au contrôle. Mais j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Où vous trouvez votre joie? Hein? Non, moi, j'attends quelqu'un dit, papa, quand je vais témoigner pour les enfants, c'est là où je vais trouver la joie. Quand je vais acheter la nouvelle voiture, c'est là où je vais trouver la joie. L'autre derrière a dit, papa, le jour où on va acheter l'église, ah, c'est là où je vais trouver la joie. Ou le jour où j'aurai un mari, c'est là où je vais trouver la joie. Maman Cathy, à qui vous trouvez la joie du Seigneur? C'est en Jésus. En Jésus. Pas dans les témoignages? Non, pas du tout. Aujourd'hui, vous serez bénis. Hein? Amen. Je vais libérer quelque chose rapidement pour vous. Yes. Amen. Juste quelque chose pour vous montrer que c'est le Seigneur qui nous a donné cette prière. Alléluia. Et il y a des anges qui campent dans ces lieux. Amen. Amen. Yes. Lisons un peu la parole de Dieu. Nous allons comprendre qu'est-ce que je veux dire.
joie n'habite pas en Jésus-Christ. Notre joie se trouve en Jésus-Christ. Pas dans les choses du monde. Amen. Psaume 94. Nous allons lire dans le psaume 94. Nous, les Français belges, on dit 94. 74. Verset 94. 94. 94. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Et verset 19. Psaume, chapitre 94, verset 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Amen. Tes consolations. Tes consolations réjouissent mon âme. Tes consolations. Prenons place dans la présence du Seigneur. Consolation. La consolation. Et où t'as pas mon bel nom? La consolation proviendra de son mari. Amen. Tant que ma pensée n'a pas été troublée. Lorsque nos pensées deviennent troublées. Tant que ma cause. Léla. Lorsque nous commençons à pleurer, pendant que nous prenons notre douche Léla. Et que nous pleurons, des fois, on a bon, on a banque. Parfois tu as de l'argent dans ta banque, bien, des fois, on a un dako à mon nene. Des fois tu as une grande maison, mais bah, problème, mais il y a des problèmes qui te dépassent. Message. Ces messages, je suis en train de les livrer à quelqu'un qui se trouve dans la salle. Hier, tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup posé tant de questions pour ces situations. Tu t'es posé beaucoup de questions concernant ta situation. Et j'attends même que na cœur nos problème aussi là. Je suis en train d'entendre que dans ton cœur, tu t'es dit que lorsque ce problème prendra fin, c'est alors que ma joie va commencer. J'attends clairement. Je l'attends clairement dans mon cœur. Et si vous êtes dans la salle, viens, je vais prier pour toi. Parce que j'attends, il y aura un autre problème plus grave que ça. Donc, quand ce problème, ça va terminer? C'est quand que ce problème prendra fin? Il y aura encore un autre problème. Après ce problème, il y aura encore un autre problème plus grand que ça. Parce que vous cherchez la joie par rapport au problème. Mm-hmm. Mais vous ne cherchez pas le maître qui prend la solution de tout le problème. Il y a des gens qui disent, quand j'aurai mes papiers au Canada, oh, c'est fini. Mais demande aux Canadiens qui souffrent, qui passent des moments difficiles avec des maladies héréditaires. Kayabasaka, rabaseke. Jésus Mutayakana joie. C'est Jésus qui apporte la joie. Ce qui a s'installé dans la vie. S'il s'installe dans ta vie. Lui-même sait comment épargner d'autres problèmes. Lui-même sait comment est-ce qu'il va faire pour épargner d'autres, t'épargner de ce dont. C'est toujours la solution. Si nous cherchons la solution. La solution c'est Christ. La solution se trouve en Christ. J'ai dit, la solution, c'est Christ. Amen. Parce que la Bible nous dit, le lendemain appartient à Dieu.
Amen. Quand nous sommes arrivés dans ces pays, il y a des choses que nous avons commencé à planifier rapidement pour dire que si j'ai une voiture, si ma femme me rejoint, si j'ai des enfants, donc ma vie a changé. Mais aujourd'hui, vous êtes mariés. Il y a toujours des soucis. Aujourd'hui, vous avez du travail. Il y a toujours des soucis. Quand vous avez donné les rejets, permis de quitter le territoire, tu étais comme... Vous êtes devenu même comme un fou. Tu ne savais pas où aller, où faire. Aujourd'hui, vous avez des papiers. Il y a toujours des soucis. Parmi les gens qui sont devant, le Seigneur m'a dit, la personne n'est pas là. Je vous attends. Je vais prier pour toi. Parmi les personnes qui sont là, la personne que je suis en train de parler, il n'est pas présente. Donc, manifestez-vous, venez. Et là, j'attends ton cœur, dis, c'est moi. Et dans ton cœur, je sens que dans ton cœur, tu t'es dit que c'est toi. Si ton cœur a dit, ça passait rapidement, rapidement. Ton cœur a parlé. A dit, le pasteur est en train de parler à moi. Prends le micro, dis que mon cœur m'a dit clairement, c'est moi. Je vais attendre ça parce que Dieu t'a dit, c'est toi. Donne le micro aux trois personnes ou des personnes qui viennent de passer. Je ne suis pas un prophète. Toi, tu as pris des poids, tu as mangé quoi? Si c'est toi, prends le micro, donne le micro et dis-nous que c'est toi. C'est moi, papa. Toi qui as porté le micro, maman. Clovis, nous ne sommes pas des prophètes, mais on peut parler du Seigneur. Il y a une femme de ce côté qui joue à ça. Pourquoi tu ne joues pas? Il y a une femme. Vous jouez bien à ça. Pourquoi vous ne jouez pas? Je ne parle pas d'un homme, je parle d'une femme. Il y a une femme qui joue bien à la batterie. Pourquoi vous ne le faites pas? Tam-tam. Tam-tam, oui. Batterie, c'est l'autre. Non, tam-tam, oui. Tam-tam. Passe le micro et que chacun dise ce que le Seigneur a dit. C'est de moi que le Seigneur parle. Amen. Passez à l'autre. Justement que moi, je suis toujours en train de tronc et comme je suis toujours imaginé des choses de passer, ça me dérangeait souvent. Ça vous dérange souvent. Donc, je te dis à Dieu que... Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu puisse vous donner pour que vous puissiez avoir la paix? L'onction. L'onction? Wow. C'est bien, on sait. Hein? Si l'onction donnait la paix, moi j'aurais la paix. Amen. Mais, moi je pense que c'est de moi que vous parliez. Amen. Vous pensez où c'est vous? Parce que le Seigneur a parlé de quelqu'un. Clairement. C'est vous. Merci. Oui, je crois que c'est moi. Parce que je me sens trahi. Élève ta main. Ferme les yeux. La Bible nous dit, c'est toi qui donnes la paix à travers ton Esprit Saint. Donne la paix à ta fille que vous venez me montrer maintenant. Acclamons pour Jésus.
mettez vos mains à l'air. Et entrez dans la présence du Seigneur. Ce qui vous trouble se rend troublé aujourd'hui. Vous attendez parler de l'onction, mais vous allez voir une onction qui va vous traverser, que vous n'avez jamais connue dans cette église. J'ai dit que ce qui va passer ici dans votre vie, soyez pris dans le protocole. Soyez pris dans, ne bloque pas ses jambes. Il y a quelque chose qui part là-bas. Ça va traverser vous tous. Ne retiens pas vos corps. Take it in the mighty name of Jesus. Encore. 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 Le réparateur est là, c'est Jésus-Christ. Il m'a dit, rentre, tu vas continuer ton travail. Sauve ton peuple. Et je vous donne 6 mois, cette église, ça va être remplie au nom de Jésus. C'est pour ça que je vous donne cette onction, parce que l'onction attire tout. Mais c'est moi qui viens avec la paix. L'onction peut te chercher encore des problèmes. Et pour vous dire que l'onction ne donne pas la paix. L'onction peut vous rendre orgueilleux. Or que l'orgueil attire tant des ennemis aussi. L'onction que Dieu nous donne, c'est pour libérer les captifs. L'onction, c'est quelque chose, c'est pas pour vous, c'est pour donner, bénir les gens, prêcher la bonne nouvelle. Mais quelque chose qui donne la paix, il faut que ça réside en vous-même. C'est pour vous. C'est Christ. C'est Christ. Amen. Amen. Il a dit, je vous donne la paix. Pas l'onction. La paix que le monde ne peut pas vous donner. Pas les enfants, pas les mariages. La paix. Sans la paix, même si vous avez des millions, ça peut vous pousser à se suicider. Mais la paix en Christ, par contre, ça va vous donner la soif de lui chercher encore. Ma fille, je n'ai pas encore fini avec vous. Ferme les yeux. Laisse le Saint-Esprit opérer. Parce qu'il y a un ange que le Seigneur a envoyé pour sauver ta vie. Donne la sœur un papier mouchoir. Dispose ton cœur, ma sœur. Si je ne vais pas dire, t'inquiète. En train de bloquer quelque chose. Laisse ça partir, ferme les yeux. C'est la douleur, la blessure.
c'est ça, ça va partir seul. Vous êtes en train de bloquer quelque chose vous-même. Laisse ça partir, maman. Laisse ça partir. Laisse ça partir, rapide, maman. Saint-Esprit, ça va partir. Je te pose la paix, ma fille. Je dépose la paix. Je dépose la paix, ma fille. Je dépose la paix. Je dépose la paix. Je dépose la paix. Si vous êtes là, si vous disposez vos cœurs, même si vous êtes assis, reçois cette onction. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais si vous voulez la paix, reçois, disposez juste votre cœur. Les anges sont là, ils vont vous toucher. Le Seigneur est là pour nous sauver. Les choses de ce monde, ça ne va pas nous donner la paix. Hier, quand je suis atterri à Montréal, je vis comment les demandeurs d'asile à l'aéroport, ils étaient contents de venir dans ce pays. Mais à l'intérieur de moi, je disais, si vous connaissez le nombre de clochards qui sont dans ces pays, vous ne pouvez pas dire, ah, Canada, c'est le ciel. Pour être dans la joie dans ces pays, pour être en bonne santé dans ce pays, même si vous n'avez pas des gens, mais gardons Jésus précieux. Message d'aujourd'hui, je vous apporte Jésus-Christ comme la paix. Donne Jésus la place qu'il mérite dans votre cœur. Je dis, donne Jésus la place. Non, c'est comme si je parle à quelqu'un qui est dans cette place. Il y a tant de calques dans ses pensées. Mais le Seigneur m'a dit, donne Jésus sa place. Élève Jésus dans son trône. Mets Jésus devant tout. Je vais faire 3 jours. On va faire 3 jours. 3 jours de prière. On va récupérer notre vendredi, on va mettre ça, on va négocier pour faire 3 jours de sermon, vendredi, samedi, dimanche. Et vous allez voir des signes qui attirent les miracles. Comme les païens, 2, 3 copines, 4 copines, mais il y a une que vous aimez tant parce que vous l'avez donné la place. Cette
place donne à Jésus-Christ. Il y a des gens, quand ils se réveillent, la première chose, il va regarder son partenaire, sa photo, sa fiancée ou quelque chose, quelqu'un qu'il aime. Mais nous, les chrétiens, nous, les amoureux de Jésus, on regarde Jésus où? On regarde Jésus à travers ces versets bibliques. Quand on se réveille, au lieu de prendre le temps de regarder les gens, nos bien-aimés, nos partenaires, leurs photos, cherche premièrement la face de Jésus-Christ. Le verset biblique qui va vous donner la force de commencer votre journée. Parce que Jésus n'a pas de photo. Jésus ne réside pas dans les statues. Yes. Jésus réside dans sa parole. Amen. Christ réside dans sa parole. Amen. Quand vous réveillez, commence premièrement à chercher celui qui vous adore. Lisez 3-2 versets là. Vous dites merci Seigneur Jésus. Nous sommes pressés de se réveiller, de prendre un café. Des fois, on court derrière nos rendez-vous. Sans regarder la face de Dieu, sans lire un verset biblique, parce qu'on a des problèmes, tout le monde a des problèmes. Mais la solution, ça vient de Jésus-Christ. Yes. Si vous croyez à ce que j'ai dit, acclame pour Jésus. J'adore ce Dieu-là, j'adore le Christ. Sans Jésus, je vous dis la vérité, je ne pourrais pas être ici. Sans l'intervention de Jésus dans cet ministère, nous ne pourrons pas être dans cet lieu que vous aimez. Il y avait une autre dimension de complot contre cet ministère dans le monde des ténèbres. Je vous dis, il faut demander à Dieu de vous montrer des choses. Quand vous voyez que Dieu commence à sauver, libérer les âmes, vous pensez vraiment que le diable sera content? J'ai vu, Dieu m'a montré des choses dans des rêves. Mais ma prière était, Seigneur, fais dormir tous ces gens-là, que je puisse continuer mon travail. Quand je suis arrivé à l'aéroport, maman Cathy, en Belgique, j'ai délivré une dame, vous avez vu des vidéos, il y a une dame qui avait des tatouages. Et quand je suis atterri ici, l'agent de l'immigration, quelqu'un qui avait aussi des tatouages. Rempli son corps. Elle a commencé à me poser des questions. Bon, je ne peux pas dire bête parce qu'il fait son travail, mais à tel point que son ami est venu lui dire que non, on ne fait pas le travail comme ça. Regarde ça, laisse-lui partir. Oh non, vous étiez en dehors du pays longtemps. Moi, je dis, mais écoute, j'ai quitté le Canada le 4 du mois passé. Mais l'ennemi a changé le système. Ne joue pas avec l'ennemi. Ne joue pas. Le gars était comme ça, là, il voyait d'autres choses, mais son collègue qui était derrière lui, il est venu, il a dit, non. Tu vois un agent. Quand il commet une erreur comme ça, il se sent humilié un peu.
moi j'étais comme ça, j'ai dit, ah, mon frère, tu es juste faible, c'est pas toi les démons. Les démons juste passaient pour me tourmenter. J'étais calme. Tu fais ton travail. Amen. Amen. Et après, il a dit, oh, mais c'est Dangui. C'est Dangui, Dangui. J'ai dit, appelle-moi comme tu le veux. Moi, je suis fatigué. Amen. Prends tes documents. J'ai pris mes documents. J'ai dit, ah, vous avez fait une grosse erreur. Je vais libérer les captifs au Canada comme pas possible. Ah oui. Je vais prendre mon temps pour ce ministère. Yes. On va gêner. Il y aura de veiller dans ce lieu. Il y aura des choses. Mais donnez juste la place en Jésus-Christ. Ensemble, nous allons travailler fort. Dans la semaine, si vous avez le temps d'aller dans ces lieux, il faut aller. Il commence à faire beau. Amen. Amen. Mais il faut chercher Jésus. Il faut chercher Jésus. L'ennemi travaille chaque minute pour détruire notre vie. Papa, comment vous sentez maintenant? Mieux? Vous commencez à manger bien? Hein? Depuis au lendemain, je dis à ma femme, j'habite dans la cuisine. Ça, c'est comme ça. Quand on cherche Dieu, il y aura la paix dans votre maison. J'avais donné mon témoignage. J'ai vu ça. J'ai vu ça. J'étais content. Ouais. Parce que vous avez pris du poids. Hein? Parce que ouais, c'est tombé. Ouais, il y a du poids. Amen. La paix. Parce que vous étiez enterré. La première chose, l'ennemi a enterré, c'était le finance. Le finance. Je peux dire jusqu'à maintenant. Amen. Ça viendra. Amen. La première chose, c'est la paix. La paix. La santé. Oui, avant tout. Amen. Amen. Ici, on quitte à quelle heure? 21h30. Non, mais c'est 4 heures du temps. Ah, 9h30, le temps d'arranger. Hein? Donc, juste on termine et puis on ne court pas. Hein? Donc, on a 30 minutes de parler un peu. Hein? C'est bien, non? Amen. Parce qu'autrefois, il y avait des gens qui mettaient des manteaux. Oh Seigneur, tu es bon. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Écoute. Ceux qui nous ont malinga qui sautent. Si Dieu ne nous avait pas aimé, encore peut sa vie sur place. Il n'allait pas nous donner cet endroit. Il y aura avant et après dans ces lieux. Amen. Yes. Dieu va faire quelque chose de grand et ça va réveiller les gens de ces pays pour connaître qu'il y a un Dieu puissant dans cette ministère. Il n'y aura pas 2-3 miracles, juste un seul miracle. C'est ce qu'il m'a promis. Parce que les brebis d'aujourd'hui n'évangélisent plus. Amen. Les brebis
brebis d'aujourd'hui, bah, il faut évangéliser par les brebis d'aujourd'hui n'évangélisent pas la parole et ne sait pas comment aussi évangéliser la parole. Voilà pourquoi Dieu est en train de toucher les gens par lui-même. Mais ce travail, ça pour nous. Mais ce travail nous concerne. Il faut gagner l'onction. Nous devons gagner les âmes avec l'onction que Dieu nous a donnée. Il faut pas place à la remplir. Il faudrait que ces places soient remplies. Des années, vous êtes à l'église, mais vous n'invitez personne. Changer ce caractère. Il faut commencer à inviter. Ne dis pas que non, lui est difficile. Non, toi, tu fais ton travail. Le reste, c'est Dieu qui va le faire. Amen. Il faut sauver. Nous allons travailler ensemble. Amen. Nous allons travailler ensemble. Il faut inviter les gens. Dieu m'a donné quelque chose de spécial. Mais il y a beaucoup de gens dans ces pays qui souffrent, qui veulent ça. Si notre papa n'était pas invité, je ne sais pas aujourd'hui s'il sera où. Il était pâle. Pâle. Dieu nous a sauvés tous. Pourquoi nous ne voulons pas sauver les autres? Viens, ma fille. Tu es contente que je vous ai appelé? Hein? Oui. C'était ça que vous voulez? Parce que vous regardez l'air, vous disiez que s'il ne m'appelle pas. Dieu m'a envoyé pour vous. L'esprit qu'il m'a donné, ce n'est pas pour dormir avec, mais c'est pour faire le travail. Merci, ma sœur. Soyez bénie et soyez libérée au nom de Jésus. Protocole, soyez prudents. Au nom de Jésus, acclamons pour le roi des rois. Nous allons contribuer. Notre panier est où? Nous allons contribuer pour l'église et dimanche on va prendre encore le temps de prier. Amen. Amen. On prendra encore le temps de prier. Nous allons contribuer et nous allons aussi changer notre façon de contribuer parce que cette salle ça nous coûte énormément cher. Amen. Et je ne sais pas s'il y avait des membres de l'église qui a mis leur nom de commencer à nous aider par rapport au loyer. S'il y a quelques membres de l'église qui pensent à nous aider pour la salle. La contribution pour la salle, ça commence le 25. Parce que ici, nous payons le loyer les 5, chaque les 5, si je ne me trompe pas. C'est ça? Donc, c'est mieux de donner pendant tout ce temps-là. Et il faut toujours mettre en enveloppe le loyer. Et Dieu va nous bénir encore plus. Parce que sans argent, on va nous chasser ici. On va commencer à dormir avec l'onction, avec nos belles voix à la maison. Hein, Judith? Par contre, Dieu nous a donné des dons. Pas pour garder ça, mais pour sauver. Quand vous chantez, ça console les gens. Donnez à Dieu. Ça réveille tout ce qui est dormi dans notre vie. Viens, papa.
Envoie-moi 50 dollars dans cette version. Je vais vous faire un geste. Mais cet argent, vous allez mettre ça dans votre compte bancaire. Si l'ennemi, tiens, si l'ennemi a fait un mécanisme, ne bloque pas tes jambes. Nous sommes en train de vous sauver. Viens ici. Moi, j'ai pris l'argent de Dieu. L'argent qui pouvait payer quelque chose de l'église. Mais je vous ai donné. Parce qu'il y a une puissance à travers l'offrande. Mais là où l'ennemi a mis le mécanisme dans votre compte pour piller votre argent, moi je vous donne la lumière à travers cet argent de l'église. Va déposer ça dans ton compte bancaire. Et je vous donne 30 jours, vous allez trouver un travail. Va déposer cet argent et n'utilise pas ça. Va déposer cet argent. Je parle au nom de Jésus. J'appelle dollar américain. J'appelle les zéros. J'appelle dollar canadien dans ton compte maintenant. Regarde comment ça entre. Regarde comment ça entre. Regarde. Et tu le sens à travers ton épaule que je suis en train de verser quelque chose. Reçois. Reçois. Encore reçois. Encore. C'est tellement puissant. L'Église est là pour aider. L'Église n'est pas là juste pour parler en langue. Jésus est là pour nous consoler, pour essuyer les larmes. L'Église a besoin de millionnaires. Ah, si vous croyez. Amen. Si vous voulez rester avec des miettes, prenez des choses spirituelles comme blague. L'or et l'argent, ça nous appartient, nous, les enfants de Dieu. Quand le pasteur parle de finances, il faut être prêt à recevoir. Tout se passe spirituellement. La personne qui a bloqué votre argent, des fois, il ne vous connaît même pas, mais il a le pouvoir de bloquer. Nous aussi, on a le pouvoir de bénir. Amen. Mettons-nous tous debout, nous allons clôturer notre culte. Father, we give you glory. Nous te remercions pour l'offrande que tu nous as donnée aujourd'hui. Multiplie cette offrande et bénis chacun de nous qui ont contribué. Et ouvre encore de portes de bénédiction à ceux qui n'ont pas. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Protège-nous et révèle-nous
des choses cachées, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Merci premièrement pour ton amour, la force que tu nous donnes de devenir un enfant de Dieu, de venir dans ta présence. Te remercions, Seigneur, pour cette grâce. Parce qu'il y a beaucoup à nous qui veulent venir ici prier. Mais nous n'avons pas eu cette chance. Mais toi, tu nous as accordé. Pas parce que nous sommes spéciales, mais c'est la grâce. Merci pour la préparation de ton serviteur, évangéliste Cédric. Donnez-nous la force de pratiquer ce qui nous a enseigné. Que le Dieu puisse être loin de nous dans le nom de puissance de Jésus-Christ. Pour que nous puissions pratiquer ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.